Bonjour à vous. Cette semaine, laissez-moi vous parler d'un spin-off, ou d'un gaiden comme disent les japonais, de la licence seinen Terraform Mars, sobrement appelée Terraform Mars Asimov, scénarisé par Fujiwara Kenichi et dessiné par le célèbre Boichi. Ce titre met en avant le personnage de Sylvester Asimov, militaire russe apparu dans le manga initial. Ce titre va nous permettre d'en savoir plus sur le passé d'Asimov avant son départ pour Mars. L'histoire prend place sur Terre, en Russie, au 27e siècle. Une étrange créature, fruit de manipulation génétique, cause du grabuge aux hautes huiles russes. Asimov et son équipe sont alors mandatés afin de résoudre le problème avant que celui-ci ne s'ébruite de trop. Ce sera alors l'occasion pour le lecteur d'en apprendre plus sur le passé de celui que l'on nomme à juste titre le dieu de la guerre. Allez, c'est parti pour une lutte sans merci entre Asimov et le Dead Morose, mais surtout entre Asimov et son passé tragique. Si vous vous intéressez un tant soit peu aux créatifs dans l'univers du manga, le nom de Boichi ne vous est certainement pas inconnu. Ce coréen de naissance est réputé pour la beauté de son trait et, avec Terraform Mars Asimov, il nous donne une nouvelle fois la preuve de son talent avec un trait hyper détaillé. Et même si le rendu est différent du manga initial dessiné par Tachibana, le coup de crayon colle bien à l'histoire et ne dépayse pas. On a droit à des musculatures hypertrophiées et à beaucoup d'applications au niveau des détails type cheveux, pliures, ombres, courbes féminines. Tout ça donne du relief au dessin tout en conservant un trait accessible à tous, aux fans de dessins typés manga, mais également à ceux qui recherchent un trait différent. La réalisation est maîtrisée et utilise à merveille un découpage à la fois dynamique et structuré, faisant la part belle au gros plan introspectif. Compo et angle de vue sont recherchés et parachèvent la réale de fort belle manière. Il y a une grosse maîtrise technique à n'en pas douter. L'édition reste classique de la part de Kaze Seinen et elle colle parfaitement avec le travail entrepris sur Terraform Mars. La charte graphique est en adéquation et le volume se fondra parfaitement à la suite des tomes de Terraform Mars. Le scénariste Fujiwara Kenichi a eu l'occasion de travailler à de nombreuses reprises sur des mangas affiliés à la célèbre licence Persona, Shin Megami Tensei. Il scénarise aussi The Outer Mission, un autre spin-off de Terraform Mars. Boichi, le dessinateur, est un cas particulier dans les mangaka actuels. Il est, comme dit précédemment, originaire de Corée du Sud et s'est expatrié au Japon pour pouvoir s'exprimer comme il le souhaitait. C'est un mangaka engagé, mais ses productions ont tout de même une grosse tendance au fanservice de type nana sexy et mec musclé. Asimov ne déroge pas à la règle. J'ai pas adhéré aux propos du manga. D'abord, faut savoir que je ne suis pas régulièrement Terraform Mars et cela ne peut jouer qu'en la défaveur du lecteur. Et à mon goût, il y a trop, mais alors beaucoup trop, de ce que l'on pourrait appeler du fanservice. Trop de plans culottes, trop de violence, trop de muscles, trop d'énervement. Et après, on saupoudre ça d'un poil de bons sentiments. Franchement, une vraie caricature de manga. Par-dessus le marché, le fil de l'histoire est télescopé et assez prévisible au demeurant. Les spin-offs de type Gaiden sont là pour apporter des révélations sur le passé de personnages, mais j'ai trouvé que la construction d'Asimov n'était pas du tout aboutie. Et encore, je parle pas des autres persos qui sont là pour les plans culottes, seins et baston. Seuls Ivan et Tatiana disposent d'un léger intérêt. On essaye également de nous refiler une touche de poésie avec des extraits de poèmes russes, mais leur utilisation n'apporte pas de réelle plus-value, tout comme pour le petit côté humour dédramatisant disséminé ça et là. Pour aller avec Asimov, je vous conseillerais bien Fullmetal Alchemist, car on y retrouve par moments cette ambiance militaire et le personnage d'Asimov, à un petit côté, attention je dis bien un petit, faisant penser à Axel Louis Armstrong, personnage secondaire de Fullmetal. Bien sûr, je vous orienterai directement vers Sunken Rock, le titre emblématique de Boichi. En 25 volumes tout de même. Et bien entendu, il est fortement recommandé de connaître Terraform Mars, l'œuvre initiale, afin de ne pas être trop perdu. Pour conclure, Terraform Mars Asimov est un spin-off de Terraform Mars, scénarisé par Fujiwara Kenichi et dessiné par Boichi. Ce manga va nous raconter le passé de Sylvester Asimov, militaire russe, avant son départ pour Mars. Il mettra en scène Asimov et son équipe qui devront affronter une mystérieuse créature en Russie.
Comme à son habitude, Boichi nous offre un trait hyper joli, riche de nombreux détails. La réalisation globale est dans la même veine. Malheureusement, le titre proposé n'est qu'un ramassis de clichés racoleurs du manga avec de l'action bodybuildée à outrance, relevée par une forte dose de plan culotte. Le tout est hélas mis au service d'une histoire beaucoup trop prévisible, portant des personnages sans trop de saveur. Et ce n'est pas les tentatives d'humour et de poésie qui changeront quelque chose. Un manga ayant pour intérêt principal sa forme et aucunement son fond. À réserver aux fans de Terraform Mars, de Boichi, de culottes et de mecs musclés. Vous pourrez trouver ce titre aux éditions Kazé pour un prix de 8,29€. Bonne lecture et à la prochaine.